pral passe un petit temps nan parole, bon Dieu, mes bien-aimés. Puisque au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. N'a pas invité, mes bien-aimés, à l'ouvrir la Bible avec nous. Nous praler dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11, qu'on connaît très bien. Il dit, ô bon Dieu, maintenant, vous méritez pour recevoir louange, respect et pouvoir. C'est vous-même qui faites toute bagarre. Si vous là, si vous avez la vie, c'est parce que vous voulez. Amen. Adorable Père Jésus, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous vous remercions pour la parole. Et nous prenons d'autant plus béni la parole. Ça. Et permettre à ce que chaque petit ou qu'il a joigne une parole. Parole qui pour édifier. Parole qui pour libérer. Parole qui pour transformer. Et nous va glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je dis à mes bien-aimés, nous arrivons dans pas dernier jour, mais nous arrivons, nous dans terminus, là, et ces derniers dimanches, nous, pour moi, ça, moi, création. Ces derniers, ligne droite, là, nous entamons, là. Nous pas arrêté en pile, donc ça veut dire dans deux jours, là, nous avons dit, moi, création, bye bye. Mais création en lui-même n'a pas dit le bye-bye. Parce que il est toujours là, n'a vivre lui chaque jour et le Seigneur mettait là pour nous vivre lui parce que lui ben non le matin hein, nous voulons garder avec vous nous t'ai abordé hier, nous t'ai passé dans matinée de jeûne et de prière là dans méditation que nous t'ai fait, nous t'ai garder à vous dont hein, le donné et la création, mais nous t'es passé, nous t'es effleuré et le donné et salut. N'a pas entré là-dedans le matin, hein, puisque le Seigneur permet sa fête, et n'a pas abordé, puisque aujourd'hui, c'est journée d'intercession pour le salut des âmes perdues. Et c'est jour pour nous prier pour ceux-là qui, pour qu'on accepte Christ comme sauveur, comme Seigneur, pour ceux-là qui ont erré de Yahweh toujours. Donc, je dis à nous garder, donner et saluer à mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas parler de salut éternel, mais à nous aborder lui et saluer à tout court. Nous devons avoir quoi? La vie que le Seigneur bâille, dont la création vient la vie là-dedans. Lorsque le Seigneur soufflait dans la narine l'homme, il vient faire l'homme tourner un être vivant. Ça veut dire qu'on don que le fait. Le Seigneur baille un bagaille. Il fait don de la vie. Il qui baille la vie à l'homme. Le fin formel, l'homme te tant qu'il y a une sculpture. L'homme te tant qu'il y a une sculpture. Il pas gain la vie dans lui. Il pas animé. Il vient animé. Il vient. Bien vie dans lui, c'est lorsque le Seigneur soufflait dans la narine et puis la Bible dit l'homme vient un être vivant. Donc il y a un don qui fait. Et le Seigneur toujours mes bien-aimés bail. C'est bon Dieu ça que lié son bon Dieu don. Il est toujours bail et nous te dou dans donné a qui ça qu'ouais dans donné a mes bien-aimés, dans donné a ou capable, il capable bien plusieurs sens. Mais n'a prend li nous te prend pour dans contexte définition qui dit faire un don, donner c'est faire un don, c'est transférer, c'est sans rétribution, hein, la propriété d'une chose que l'on possède ou dont on jouit à une autre personne ou bay au monde yon bagay ou fait le don yon bagay. Eh bien c'est même bagay là tout pour saluer à mes bien-aimés. Donc pour qui ça nous devons dire ça matin là. Parce que pour yon monde sauvé, mes bien-aimés, eh bien, comprenez bien, est-ce que yon monde ka sauvé tête li pour compte li? Est-ce que yon monde ka bay tête li salut? Est-ce que yon monde
et qui a tête qui salue. Est-ce qu'il y a un monde qui a tête qui salue à mes bénis? Est-ce qu'il y a un monde qui a délivré tête li pour contre lui? Non, il n'est pas capable. Qui rapport qui gagne un don à salut à mes bien-aimés? Parce que venir joindre Christ, c'est un bagaille. Recevoir instruction qu'on y a son lot, pratiquer parole là qu'on y a là son lot bagaille, persévérer qu'on y a son lot bagaille, jusqu'à la fin son lot bagaille. La paix bon Dieu avec vous. Donc accepter Christ, c'est ça que fait au monde où on a toujours été. Hier, nous avons regardé, nous avons pris dans l'étude, côté nous avons parlé de bébé spirituel. Accepter Christ, c'est un stade. Dire oui à Christ, c'est un stade. Mais où fait pour passer par le premier stade ça? Donc, le bébé, ou appelé à grandir. Le accepter Christ, ou pas accepter Christ pour rester dans le stade bébé, pour rester un petit monde qui n'a pas dedans, ou là pour grandir. Donc, frère Sam, bien-aimé dans le Seigneur, Zamim, ou même qui l'a, le Seigneur fait grâce ou attend des paroles ça, ou le Seigneur font plein pour vous. On regarde dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, mes bien-aimés, il parle non de qui ça? Il parle non de la chute de l'homme. Ou bien et de la mort de l'homme, la mort physique, la mort spirituelle. Au verset 19, qui ça lui dit non? Au verset 19, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc chute ça, mes bien-aimés. Comprenez bien, oui. Chute ça, qui ça le fait pour nous? C'est ça que nous relais mort spirituelle. La mort spirituelle. Songez que les bons dieux mettaient l'homme dans le jardin, mes bien-aimés. Il était bail l'homme on l'ode. L'été bay l'homme yon interdit. L'été clair avec l'homme. Nan ordre créationnel là, l'homme c'est dernier bagay que bon Dieu fait. Et c'est le bon Dieu fin fait l'homme, li bay l'homme autorité, li bal pouvoir sous toute sale créée. Li fin fait tout bagay, li arrange espace là pour l'homme, li arrange tout bagay, li fin fait tout bagay, et puis li mette l'homme nan espace là, nan création, hein? Li bay l'homme responsabilité sous création, hein? Li bay l'homme responsable création, hein? Li place l'homme comme intendant, li place l'homme comme gestionnaire, li place l'homme comme général manager création, hein? Donc l'homme seul chef création, mes bien-aimés. Parce que c'est bon Dieu qui t'a fait. Il fin fait toute bagaille et puis il place gestionnel. Il baille l'homme pouvoir ça sur toute création. Et non, pouvoir ça que le baille là, c'est lui qui met création. Il baille l'homme interdit. Clé. Il interdit l'homme pour manger, pour toucher pied bois connaissance là, pied bois connaissance bien ak mal là, mes bien-aimés. Pigo toucher pied bois ça. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'autre la clé, mes bien-aimés, la paix bon Dieu avec vous. Genèse 2, 16-17. Est-ce que bon Dieu, frère Semio, pas contre ça l'a fait? Le bon Dieu bayon l'ode, qui ça l'aptan qui pour faire? Le bayon l'ode, l'aptan nous obéit à l'ode là. La paix bon Dieu avec vous. Le bon Dieu bayon l'ode, l'aptan ou obéit à l'ordre là.
Mais qui s'est passé? L'homme a le fun pouvoir là. L'homme a lagué pouvoir dans main l'autre là. Il liquide pouvoir ça que bon Dieu te bali à. Et qui vient porter qui ça? Qui vient porter tout tourment ça, tout tête chargé yo. Là yo fin manger fruit interdit à. Eh bien, l'homme pas mourir même moment. L'homme toujours en vie physiquement. Mais qui s'acrivait, l'homme mourit spirituellement. Parce que ça, la Bible, et sa parole l'a dit là, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme pas frappé de yon mot physique, mais c'était une relation avec mon Dieu, lorsque l'autre l'a te dit, wap mourit. Donc l'homme perdu relation ça, l'homme perdu présence ça, l'homme perdu gloire ça, parce que li mourit spirituellement. Li perdu autorité ya, li perdu domination que l'te gagnant, li perdu pouvoir que l'te gagnant, li te gagnant sous la nature, pouvoir que l'te gagnant sous monde spirituel là, li perdu. Et comme conséquence qui s'acrivé frère Semio, li pas arrêté dans présence de bon Dieu encore. Mais bon Dieu pas capable garder créature là qui souillé dans état ça, qui vienne sale dans état ça. Qui campe loin, on li pat kreye l pou te campe loin. Li pat kreye l pou te vivre nan caché. Li pat kreye l pou te vivre derrière rideau. Li pat kreye l pou te vivre nan noir. Lo al caché c'est nan noir koyé ou nan ténèbres. Mais bon Dieu te kreye l'homme pou te vivre nan présence li. Pou te vivre nan présence li de façon permanente, pou te vivre dans la gloire de Dieu. Mais puisque image bon Dieu dans l'homme, malgré que l'homme fin fait bêtise ça, bon Dieu son bon Dieu remè mes bien-aimés. Bon Dieu pas vle l'en mort pour l'homme. Li pas vle l'homme perdu. Et c'est alors l'aller au-delà de souffle ça que il te mette dans l'homme là. Souffle de vie ça que il te mette dans l'homme là, l'aller au-delà de souffle de vie ça. À la création, il te mettait souffle dans l'homme, qui te vient faire l'homme un être vivant, qui vient faire l'homme a fait chelbe ou l'homme a fait jodi à la. Arrogant ou l'homme arrogant, c'est ça que créateur a mettait dans l'homme qui fait l'homme arrogant dans état où il est là. C'est souffle de vie qui fait l'homme rete jodi à dou, m pas besoin bon Dieu, l'argent c'est bon Dieu. Kay moi c'est bon Dieu. Machine moyen dernier machine dernier crime gagnant c'est lig bon Dieu. C'est ti souffle de vie. C'est cadeau ça que bon Dieu fait à l'homme qui fait l'homme abattre l'estomac comme ça, qui fait l'homme fréquent comme ça, qui fait l'homme arrogant comme ça. Si mettre souffle ça t'a décidé pour le prendre souffle, voilà. Et nous well mes bien-aimés. Nous vivons li, nous consacrer les détresses respiratoires. Le yon moun a difficulté pour le respirer. Et nous, ouais, ça l'homme a fait à yon oxygène que lui-même li pas fait en yon pour li joindre ni, li stocker et puis la vendre nous, mes bien-aimés. Le Seigneur mettait à disposition nous chaque jour 150 000 litres, mes bien-aimés, oxygène que chaque grain de monde sous la terre a respiré pendant 24 heures. 12 à 15 000 litres d'oxygène. Li coûtait, mes bien-aimés, 150 000 dollars. Comprenez bien. Chaque monde a à disposition 12 à 150 000 litres d'oxygène ou à respirer chaque jour pendant 24 heures. Avec coût lié sous marché, qui pipiti a, oui. Li qui pipiti bon marché, li vino 150 000 dollars. Pour douer l'éternel chaque jour. Pour ti oxygène, ça a fait m'se mieux. Donc bon Dieu pas capable garder l'homme dans état ça. Le bon Dieu pas capable garder l'homme qui fin souillé qui sale comme ça image bon Dieu dans lui. Il pas capable garder l'homme comme ça. C'est lui-même encore qui vient offrir à l'homme une porte de sortie en la personne de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il vient bailler l'homme
de sortie. Li fè yon plan. Li fè yon plan pou sauver l'homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Men aimé bien aimé. Qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il a donné. Donné et salut. Bon Dieu fait don pour, de Jésus pour capable de délivrer. Ou même matin, en même cap tandem là, qui peut recevoir don ça, qui peut accepter don ça, matin, c'est jour pour la même. Jodi, c'est jour pour la même. Pour accepter cadeau ça, pour accepter don ça. Parce que l'effet don ça, c'est pour vous, pour pas perdre. L'effet cadeau, Jésus, c'est pour capable de réconcilier avec lui. Parce que jusqu'à présent, on a état Adam, on a caché. On a état Adam, ou pas dans la présence de bon Dieu. On a état Adam, ou dépourvu de la gloire de Dieu. Ou tout uni, on a caché, même le roi a bien mené aujourd'hui. Ou son monde qui vit dans caché. Ou son monde qui vit dans fait noir. Parce que, ou pas dans la présence de bon Dieu. Donc, ça que le fait, ou pourquoi accepter. Et puisque pourquoi accepter, Adam ça qui n'a ou même non, Zach ça, dit ça que Adam a te fait, premier parent a te fait, c'est sous dit ça que va fonctionner. C'est sous compte mal taillé ça qui va fonctionner. C'est chute ça qu'on la donne là. Puis fait que on en fait noir. Même le roi a bien mené. Donc l'homme, mes bien-aimés, ne vivant que physiquement, reçoit le don de Dieu. Et qui ça qui don mon Dieu? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour capable de gagner qu'on y a, le recevoir don ça, le recevoir cadeau ça, ou pour le gagner. La vie éternelle. Ou pral gagner la vie éternelle. Je veux dire, ou à vivre physiquement. Ou en vie, très bien, physiquement ou en vie. Mais ou sont morts spirituellement parlant. Ou à respirer là. Souffle là dans où? Li pas prendre souffle à bac. Ou à respirer, ou à vivre là. Ou normal, ou à mener toute activité. Ou à sentir, ou à parler, ou à toucher, ou à marcher, ou à faire tout sauver. Mais spirituellement parlant, ou son cadavre. Sans Jésus, ou c'est un monde mouri. À la création, li souffle, souffle de vie. Nous tous gen vie ça. Mon pas gen la vie éternelle. C'est Jésus qui pou ba roule. Ou te perdu vie ça par désobéissance au jardin. Et ça fait me remet parole ça. Le map gade Jean-Paul exprimer penser ça, mes bien-aimés. Verbe surtout que Paul utilisait dans Romains chapitre 8, le verset 12, pour lui dire, lui qui n'a point épargné, alléluia, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Mes bien-aimés, mais ça, bon Dieu a fait. Mais ça le voulait faire pour aujourd'hui. Songez qui ça, proverbe, parlez-nous. Le la parler de Sila qui épargné à l'excès. Donc, t'as dit ça, parole là, d'où là? Bon Dieu pas épargné. Dieu n'a pas épargné, mes bien-aimés, ça que l'il t'a gagné de plus précieux, là. Jésus. Et d'ailleurs, ça pour nous comprendre. Le fait que l'y ban nous Jésus, mes bien-aimés, le fait que l'y fait don de Jésus, eh bien, bon Dieu prêt pour le ban nous tout qu'il a, tout bagaille avec Jésus. Ça fait l'on gen Jésus, ou gen tout bagaille. L'on gen Jésus, le Seigneur bon Jésus, son package que Jésus y est. En Jésus, nous avons tout pleinement. Tout bagaille. Donc, bon Dieu, ban nous le gratis, ti chéri. Li ban nous Jésus gratis, mes bien-aimés. Et ça, pour la parole là, dans Romains 6, 23, li dit car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don
don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en qui monde en Jésus-Christ. Meni. Je dis pour gagner la vie éternelle ça. C'est pas dans une religion ou gagner la vie éternelle là. C'est pas dans un apôtre ou gagner la vie éternelle là. C'est pas dans une assemblée ou gagner la vie éternelle là. C'est pas dans un monde ou gagner la vie éternelle là. C'est pas dans papa ou gagner la vie éternelle là. C'est pas dans maman ou gagner la vie éternelle là. C'est pas dans frère ou gagner la vie éternelle là. C'est pas dans kobou un compte en banque ou gagner la vie éternelle. Mais ou gagner la vie éternelle dans un seul monde. La Bible dit ou c'est dans Jésus-Christ ou gagner la vie éternelle. Matin frère Semyo. Donner li attaché à ça que nous gagnons de plus précieux qui c'est la vie. La paix bon Dieu avec vous. Bon Dieu bon et l'el bon li bon la vie mes bien-aimés. Le bon Dieu bon et li souffle nan ou ou gagne la vie. Li bon Jésus et Jésus bon la vie éternelle. C'est le bon Dieu avec là. Le bon Jésus, li bon la vie éternelle. Le prend Jésus ou gekounia la vie qui pas jamais finir. Et ça, mes bien-aimés, nous pas qu'à recevoir l'autre gens. Nous pas qu'à recevoir l'autre côté. Nous pas qu'à recevoir de aucun autre monde. C'est de bon Dieu seulement, mes bien-aimés. Et ça fait si ou pas gagne la vie, ça. Ou pas gagne, non, mes bien-aimés. Ou pas gagne rien. Ou pas gagne rien. C'est grâce à lui-même qui fait ouvrir la vie ça. C'est grâce à don ça mes bien-aimés que jodi à moi-même avec nous ça nous yia. C'est grâce à don ça oui qui fait moi-même avec nous ça nous yia jodi à. Nous gagnons la vie ça jodi à nous gagnons espérance, nous gagnons côté n'a pas aller. Gon moun kal préparé yon place pour nous. Nous gon côté nous connaît, nous connaît qui côté nous pralé. Grâce à vie ça, la vie éternelle ça que nous prend, nous joignons dans Christ là. Ça fait nous doit continuer bay mes bien-aimés. Oui. Parole là dit nous dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Il dit car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alléluia. Vous comprenez? On compte l'autre côté, nous prenons la Bible dit là, dans Jean 5, 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Après, bon Dieu, à vous. Mais le Fils donne la vie à qui il veut. Matin, Zamim, ou même Captain Demla. Pas garder sous monde. Le Fils donne la vie à qui il veut. Jodia livre bon la vie. Jodia se joue pour la même. Pas réfléchi. Pas dit ou a gen temps. Ou pas gen temps encore pour dire ou a gen temps. C'est pas religion que n'a pas fait avec. C'est pas de religion que nous vin parler. Nous pas vin faire promotion pour une dénomination. Nous pas vin faire promotion pour une assemblée. Nous pas vin faire promotion pour un individu, pour un groupe de monde. Nous vin faire promotion pour Jésus. Nous voulons que Jésus baille la vie. Et la vie, ça a qu'on a besoin aujourd'hui. La vie qui n'a pas fini, on n'a pas besoin de aucun autre nom, c'est dans Jésus. Les deux, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Mon garantie qu'on gagne. L'on a mis Jésus, personne pas qu'à prendre. Alléluia. L'on a mis Jésus ou caché. L'on a mis Jésus, c'est nos bouteilles qu'on a. L'on a mis Jésus, pas qu'un monde qui a béqué. C'est garder, y'a gardé, mais y'a pas qu'à prendre. Alléluia. Mais l'on pas nommé Jésus ou c'est manger. L'on pas nommé Jésus ou c'est outil ou c'est instrument ou c'est moun pal. Alléluia. Matin, relé sous corps. Relé sous corps. Romains chapitre 4, le verset 17, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant cela, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Mes bien-aimés, nous pas gagner pour nous battre l'estomac, nous pas gagner pour nous glorifier tête, nous, mais on nous fait nous pitié, mes bien-aimés. Peu importe ça que nous recevons aujourd'hui, peu importe ça que vous veniez dans la vie, mais nous devons toujours reconnaître que c'est bon Dieu qui met.
C'est bon Dieu qui baille toute bagaille. C'est bon Dieu qui fait toute bagaille. Alléluia. C'est lui-même qui méritait pour nous louer. Il méritait pour nous bali honneur. Il méritait pour nous exalter non. Il méritait pour nous bali action de grâce. Il méritait pour nous faire ça pour lui. Par offrande nous, par dîme nous, par libéralité de toutes sortes, mes bien-aimés. Matin, qu'on est bien. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, mes bien-aimés. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Maintenant, on ne peut pas mettre souffle, attendez. Ou pas contre qui les gens ont fait main. Et c'est peut-être ça. Je vous dis à ces jours salut. Je vous dis à ces jours délivrance. Je vous dis à ces jours pour faire la paix avec mon Dieu. Je vous dis à ces jours pour accepter Christ. Donc ça que bon Dieu fait pour capable gagner la vie qui pas jamais finir. Oui, on gagne la vie comme monde, lui souffler dans narine nous. Nous tous gagnons, mais c'est pas nous tous qui gagnons la vie éternelle. C'est Jésus qui baroule. Matin, c'est jour pour la même pour gagner la vie ça parce qu'on pas mettre souffle ça. Ou à respirer c'est vrai, mon par contre qui le mettre souffle à prendre. Par contre qui joue mettre souffle là à pour reprendre souffler. Seulement ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est dire oui à don ça pour effacer souillé ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu comble ou bien fait, que bon Dieu fasse grâce matin au capable d'ouvrir porte cœur pour recevoir don ça qui bon accès à la vie qui pas bien finir. Et que bon Dieu préserve de tout mal, de tout danger et de toute attaque au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour parole. La série parole là, n'a fait non pour ne pas pécher contre nous-mêmes.